Bonsoir, les salles de spectacle sont fermées, mais le spectacle continue sur TVR avec une nouvelle soirée exceptionnelle en compagnie de l'Orchestre National de Bretagne avec le soutien de la BPGO. Et nous sommes ce soir dans les Côtes d'Armor à Planquette où le quintet Brocéliande devait se produire dans le cadre de la saison culturelle de Dinan Agglomération. Ce sera donc un concert pour les téléspectateurs de TVR. Au programme Debussy et deux compositeurs bretons, Jean Crasse et Guy Ropartz. Merci Monsieur Ibagne de nous accueillir ici. Vous êtes conseiller délégué à la culture de Dinan Agglomération. Tout d'abord un mot sur ce lieu qui nous accueille, Solenval. Oui, bonsoir. Donc, vous êtes ici à Planquette dans la salle Solenval qui est donc la salle de spectacle de Dinan Agglomération donc, qui nous permet d'accueillir durant la saison des spectacles de théâtre, de musique, mais également donc, des concerts de l'école de musique et des résidences de compagnie. Alors la saison culturelle de Dinan Agglomération, c'est environ 25 spectacles par an dans 10 lieux différents, dont Solenval. Oui, alors nous avons donc la chance donc d'avoir ce théâtre à notre disposition, mais nous avons également donc au cœur de la ville de Dinan, donc le théâtre des Jacobins qui est un lieu dédié évidemment au théâtre et qui nous permet d'accueillir plus d'une dizaine de spectacles. Et nous avons également la possibilité de décentraliser dans différentes communes de notre agglomération des spectacles de théâtre, de musique, mais aussi de cirque sous chapiteau. Toute l'année, vous proposez également sur Dinan Agglomération des actions culturelles en milieu scolaire, dans les médiathèques et même dans les accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans. Alors effectivement, durant l'automne 2020, nous avons entrepris des actions de médiation avec un projet autour de la musique, avec donc des ALSH, donc OQ et ACON. Donc au lycée agricole de Cône. Après, donc ça c'est un autre sujet. Et donc effectivement, donc des dumistes de l'école de musique sont venus parler, faire découvrir la musique. Les musiciens de l'orchestre sont également venus faire découvrir les instruments qu'ils utilisaient. Et les enfants qui étaient âgés de 6 ans avec leur famille ont pu assister à un spectacle qui leur a été dédié. Autour de Brahms. Ouais, on l'a bien compris, ce n'est pas la première fois que les musiciens de l'Orchestre National de Bretagne viennent sur Dinan Agglomération, notamment au lycée agricole de Cône. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un partenariat qui est de longue date, y compris au lycée de Cône, puisque c'est vrai que nous avons des actions nombreuses avec cet établissement qui vient assister au spectacle régulièrement. Et puis donc là, effectivement, il y avait tout un projet autour de la découverte des instruments et puis donc découvrir un petit peu ce qu'est la musique classique. Alors voilà. Comme partout en France, ce sera quasiment une saison culturelle blanche pour Dinan Agglomération avec beaucoup de spectacles annulés, reportés. Comment vous êtes-vous adapté à cette situation inédite ? Alors j'appelle ça le chamboule tout, c'est-à-dire que nous avons effectivement une programmation donc, qui a été établie jusqu'au mois de juin 2021. Malheureusement, on est dans une situation où on est obligé soit d'annuler, soit de reporter. Donc on a beaucoup plus de reports que d'annulations, heureusement. Donc on a essayé de reporter le plus possible les spectacles programmés. Et évidemment, avec une indemnisation des comédiens, des techniciens, dès lors que les spectacles étaient annulés. Parce que c'est le rôle d'une collectivité de soutenir le spectacle vivant. Et des actions pour garder ce lien entre votre structure, la culture et les spectateurs. Évidemment, on a réussi ce qui va se passer ce soir, donc une captation de spectacle. Donc c'était au tout début de l'année 2021, donc avec Yannick Jolin qui nous a présenté Causer d'amour, son dernier spectacle, et qui a été capté sur la scène des Jacobins. Et visiblement, le résultat a été très apprécié par nos fidèles abonnés. Et une captation donc télé ce soir. Et ce soir, donc captation télé également, qui sera visible sur le net. Quoi. Et un contexte aussi qui vous fait réfléchir à l'avenir.
Alors, on n'oublie pas l'avenir, au contraire, on est en plein dedans, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation artistique, que ce soit la lecture publique et évidemment la saison culturelle. Donc là, c'est un travail de collaboration avec les équipes, l'équipe technique de la saison, avec tout le personnel du service culture, mais aussi avec les élus communautaires et les élus municipaux avec lesquels on essaye de réfléchir sur quel projet de territoire, quel projet culturel pour le territoire de Dinan Agglomération. Bah oui, puisque ça va repartir. Absolument, on est optimiste de ce point de vue-là, et puis il faut absolument que la culture irrigue ce territoire qui en a bien besoin. Merci beaucoup Didier Ibagne. Je vous propose d'ouvrir cette soirée musicale avec la flûtiste Stella Dawes, Syrinx de Debussy, sur la scène de Solenval à Planquette. Marianne Leclerc, bonsoir. Bonsoir Thibault. Vous êtes harpiste, on va d'ailleurs vous entendre dans quelques instants en trio puis en quintette. Et vous allez m'accompagner durant cette soirée pour nous éclairer sur les morceaux et les compositeurs au programme de cette soirée. Car vous faites aussi, vous proposez des concerts-conférences. En effet, très souvent des récitals thématiques et effectivement qui vont être soit comptés, soit commentés et argumentés. Alors, nous avons ouvert cette soirée avec Stella Dawes, un solo de flûte de 2 minutes 30 de Debussy. Morceau qui s'appelle Syrinx. C'est quoi ce nom barbare? Ce nom barbare. Là, Debussy joue déjà sur les mots, puisque Syrinx, la Syrinx, est l'organe qui permet aux oiseaux de produire leur chant. Et le Syrinx est l'instrument grec antique
qu'on connaît aussi sous le nom de flûte de Pan, et qui est un grand favori de Debussy. Il va l'évoquer à nouveau dans son Faune et son Après-midi. Et pour lui, cet instrument est un symbole de mythe lointain, bien sûr, de grande sensualité, d'histoire des dieux et de paradis perdu et de paradis bucolique. Alors, Debussy, qui est cet homme avec une forte personnalité ? Oui, une forte personnalité, c'est une espèce d'ovni dans son époque, à tout point de vue. D'abord, le personnage est lui-même assez inclassable. On sait qu'il mène une vie de bohème. Il fréquente les cafés, les salons, est un critique d'art absolument lapidaire. Quand un concert ou un musicien ne lui plaît pas, il se fait le relais dans la presse de formules meurtrières. Lui, bien sûr, refuse aussi tous les moules de composition, de tradition musicale dans les classes d'harmonie ou d'orchestration. Il fait vraiment sa voix. Et c'est pas qu'il a du mal à trouver sa place, c'est qu'il est un petit peu tout seul. En effet. Mais donc toute personne qui lui déplaît, il le fait savoir. Il se fait autant d'ennemis que d'amis, mais finalement, il s'en moque. Qu'est-ce qui modèle son inspiration, finalement ? Alors, son inspiration est multiforme. C'est un esprit très curieux, c'est ce qu'il faut lui reconnaître. Et tout ce qui est nouveau ou exotique l'attire. Ça va être un des premiers à s'intéresser aux prémices du jazz sur ce 20e siècle naissant. Ça l'intéresse beaucoup pour toutes les possibilités d'improvisation que ça offre. Il va aussi découvrir sur les expositions universelles tous ces mondes d'Asie, ces musiques d'ailleurs, les orchestres javanais, le balafon, des instruments qui évidemment ne sont pas du tout usités dans la musique occidentale. Ça lui plaît, il va vouloir les faire rentrer dans sa musique. Et bien sûr, par rapport aux traditions musicales françaises bien pensantes du moment, ça fait désordre. Une autre source d'inspiration aussi pour Debussy, mais aussi pour toute l'époque, c'est que depuis 1890 à peu près à 1920, on va avoir toute une série de découvertes archéologiques. L'archéologie est naissante et c'est à cette époque qu'on va mettre au jour les ruines de Troie qui ont tellement été mises en scène par Homère dans son Iliade, mais aussi Tirynthe, Mycène, toutes ces cités de rois dont parle Homère, les grands tombeaux égyptiens. On découvre aussi le palais labyrinthe du Minotaure. C'est une époque de grandes explorations, de grandes découvertes. La presse européenne s'en fait le relais, bien sûr, au grand délice de son public qui suit avec un régal pas possible toutes ces aventures. En plus, ce sont des courses compétitions entre Français, entre Allemands et Anglais pour découvrir le plus vite possible, souvent assorties de trésors fabuleux, mais aussi de malédictions funestes. Tout le monde se régale. Debussy, bien sûr, est fasciné aussi. Et lui, cette antiquité va lui parler, il va vouloir recréer des sonorités, souvent d'instruments disparus. Donc l'antiquité pour Syrinx, ok, on a compris. Et pour la sonate en trio, est-ce la même inspiration ? C'est à ses sources qu'elle doit son existence ? Et oui, on va effectivement retrouver ces sources d'inspiration, beaucoup d'exotisme, de gammes et de systèmes d'échelles de son qui viennent d'ailleurs. Et l'antiquité en particulier, puisque là, Debussy décide au départ carrément d'écrire une sonate pour des instruments grecs antiques. À savoir, on va y retrouver son syrinx favori, représenté par la flûte, la lyre pour l'accompagner, qui est un instrument antique par excellence, qui va être représenté par la harpe. Et au départ, il veut aussi un aoulos, donc un hautbois grec antique, qu'il va forcément, au départ, représenter par le hautbois. Et puis, chemin faisant, Debussy découvre que pour cette pièce, il veut vraiment beaucoup plus de mélancolie. Et pour lui, l'instrument symbole de la mélancolie, c'est l'alto. Et il va remplacer l'aoulos par un alto. Mais pour autant, il va falloir demander à ces instruments modernes de reproduire ce que lui aura imaginé comme son antique, extrapolé, puisqu'il n'en a jamais entendu. Donc il veut des sons rustiques, des sons rugueux, et ça va être un des grands novateurs à demander des modes de jeu qui n'existent pas pour ces instruments normalement, pour faire sonner tout ça de façon inédite. On peut donc lancer ce second morceau de la soirée, Marianne Debussy, en invitant nos téléspectateurs à écouter ce concert champêtre de l'Antiquité grecque, revisité par l'imaginaire Debussy. Thank you.
L'inclassable Debussy, l'unique. À la même époque, Marianne vit un autre compositeur, Guy Ropartz, dont le répertoire a peu de chances d'être un autre Debussy. En effet, après ce révolté de Debussy, qui lui vient d'une famille en plus modeste, au départ, il a peu de chances de se tourner vers la musique. Il faut savoir qu'il la trouve un petit peu par hasard. Son père étant communard et en détention, rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un et dont la parente peut enseigner un petit peu de piano. Joseph Guy Ropartz, lui, fait partie d'une famille aisée et bénéficie du départ de toute une éducation culturelle dans ce sens-là. Donc il fait, lui, figure de notable reconnu et bien rangé après l'électron libre qu'était Debussy. Un trait d'union donc entre eux, ils sont de la même époque. Alors finalement, qu'y a-t-il de commun entre Guy Ropartz et Debussy ? Pas grand-chose pour les rassembler, en effet, si ce n'est que les deux vont croiser le fameux harpiste Pierre Jamet.
Et à l'époque, Pierre Jamet, lui, vient de bénéficier lui-même des innovations de lutherie qui permettent à l'harpe d'être beaucoup plus sonore, beaucoup plus fiable qu'elle n'était jusque-là. Raison aussi pour laquelle on trouve cet instrument de façon assez marginale dans les compositions orchestrales et chambristes. Et avec les nouvelles harpes Pleyel, ça offre des possibilités complètement nouvelles. Par contre, le problème pour Pierre Jamet, qui a envie de jouer et qui se forme un quintet instrumental et autres formations, on n'a pas de répertoire, puisque cet instrument a peu intéressé. Et donc, Pierre Jamet se dit, mais c'est moi qui vais le former, ce répertoire. Il me suffit d'aller voir les compositeurs talentueux de l'époque. Le voilà qui va rencontrer Roussel et lui faire des commandes d'œuvres, le fameux Dindy et lui faire des commandes d'œuvres. Et forcément... Les deux Bretons, Guy Ropartz et Jean Crasse, je parie. En effet. De Ropartz, Pierre Jamet sait qu'il va pouvoir obtenir une œuvre aux résonances et thématiques célébrant incontournablement la Bretagne. C'est déjà la marque de fabrique de Ropartz, même en exil à Nancy, puisqu'il se réclame lui-même enfant passionné de sa Bretagne. Il s'en fait une mission de vie de la célébrer et de la mettre en musique. Il a baigné depuis son enfance aussi dans la littérature de son père, qui est un écrivain reconnu et historien. Et effectivement, pour Ropartz, peindre Brocéliande, les menhirs, les enchanteurs, les fées, la mer des trépassés, c'est une priorité. Donc ce qu'on va trouver chez Ropartz dans toutes ses œuvres, c'est croyances religieuses, folklore et terroir breton. Et inévitablement, pour un breton, la mer, bien sûr, va être aussi au cœur de ses thèmes. Aucune surprise donc sur cette marine qui va vous bercer au gré des flots, forcément en breton. Un passionné donc de la Bretagne, un véritable porte-drapeau. Est-ce que la Bretagne le lui a bien rendu ? Eh oui, la Bretagne lui a bien rendu et c'est même la seule région où on trouve autant de concentrations de rues ou d'artères nommées Jean-Guy Ropartz, Joseph-Guy Ropartz. On en trouve une à Nancy pour se rappeler qu'il a été directeur là-bas. Mais en Bretagne, c'est un florilège. Hein, de Guingamp à Lanloup, bien sûr, Brest, Quimper, Saint-Brieuc, à Rennes, à Paimpol, à Lanester, on va trouver des rues ou des places Ropartz. Quintette de Guy Ropartz par l'Orchestre National de Bretagne à Solenval de Planquette.
Le compositeur breton Guy Ropart, interprété par l'Orchestre National de Bretagne. Marianne, nous allons poursuivre cette soirée exceptionnelle à Planquette avec une autre commande du harpiste Pierre Jamet. En effet, donc une commande cette fois-ci à Jean Cras. Nous sommes en fait à bord du cuirassé La Provence en ce mois d'avril 1928. Puisque si Cras en est à sa troisième collaboration avec M. Jamet, il est tout d'abord capitaine de navire. C'est son métier. C'est son métier, en effet, c'est même son premier métier. L'histoire en retient un excellent officier de marine aux actes de bravoure avérés, aussi capable d'avoir inventé une règle qui porte encore son nom et qui est utilisée et appréciée des marins, la règle de Cras qui permet de reporter des points sur une carte marine ou de tracer des itinéraires. Il a aussi inventé un ancêtre du radar, un combinateur électrique qui permettait de synchroniser des signaux entre les navires. Et même si c'est technologiquement dépassé aujourd'hui, bien sûr, par toutes les machines, c'était un prémisse très, très novateur. Donc, compositeur, capitaine de vaisseau, sur quoi se base-t-il finalement pour écrire des œuvres aussi abouties qui n'a rien d'amateur? Oui, ça n'a rien d'amateur, même si lui non plus n'a pas bénéficié de tout un cursus comme Ropart au conservatoire, Schola Cantorum, et tout ce qui faisait le décorum de parfaits élèves et disciples harmonicistes et compositeurs. Par contre, il faut savoir qu'il vient d'une famille, bon, son père est médecin de la marine à Brest, mais sa mère tient le salon le plus réputé de musique de Brest. Et les nombreux enfants de la famille aux côtés du petit Jean pratiquent chacun d'un instrument, voire plusieurs. Jean Cras est un passionné, mais dès l'enfance, il signe des compositions à l'âge de 6 ans. Il va même en diriger sur les 8 ou 9 ans. Donc la musique fait toujours partie de sa vie dès le plus jeune âge. Mais même pour une famille aisée, ça n'est pas vraiment un métier de faire de la musique. Et il va tout naturellement suivre la voie de son père et poursuivre des études plutôt de marine et rentre brillamment à l'école navale. Donc ce sera la marine nationale d'abord avant la musique. La marine nationale d'abord, ses inventions de navigateur et surtout effectivement un brillant officier qui passe 36 ans de carrière extrêmement dévoué et la marine le lui rend bien là aussi. Ah, il passe sa vie en mer. Comment fait-il pour composer ? Il passe sa vie en mer, il n'arrête pourtant pas de composer en effet. C'est très simple, même dans une cabine relativement exiguë, il suffit d'enlever une couchette, d'y faire rentrer un piano droit. Évidemment, il n'y a plus de place pour un lit, mais on trouve le moyen. Il suffit de suspendre un hamac au-dessus du piano et Jean Cras peut quand même dormir dans sa cabine. Donc, c'est un des premiers officiers qui peut se permettre d'exiger un piano à bord et il ne va jamais cesser puisqu'effectivement, même en mer et sur des missions longues, il ne cesse jamais de composer. Il estime être au service de voix divine et d'inspiration qui lui commandent. C'est un simple devoir pour lui de rendre tangibles et concrètes des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc, il ne se reconnaît même pas la paternité de ses œuvres, mais transmet simplement ce que les instances supérieures lui demandent. Et c'est ainsi que certaines de ses partitions vont même être signées Saint-Marc. Assez curieux. On va l'entendre, l'inspiration vient aussi de son environnement, de la mer, de ce qu'il voit toute la journée à travers les hublots de son vaisseau. Et au quotidien, c'est vrai. Même quand ses œuvres ne portent pas explicitement un titre marin, comme son très très beau journal de bord, la mer est omniprésente et le quintet ne va pas y faire exception. Et Jean Cras va vous y faire voir tous les sentiments de la mer, les flux et reflux, les tourmentes, les calmes, les tempêtes qu'on peut y rencontrer et décliner toutes les palettes de couleurs et de lumières de sa mère adorée. On embarque. Thank you.
Thank you.
Un quintet de Jean Kras interprété par l'Orchestre National de Bretagne pour clôturer cette soirée dans la salle Solenval à Planquette. Marc Fellman, bonsoir, vous êtes le directeur de l'Orchestre National de Bretagne, l'ONB. C'est vous qui avez concocté ce programme joué par le quintet de Brocéliande. Absolument, Nicolas Tsigankov, violon, Clémentine Combe, alto, Timothy Marcel, violoncelle, Stella Dawes, flûte et Marianne Leclerc, harpe. C'était vraiment magnifique. Il y avait au programme deux œuvres de Debussy, puis Jean Kras et Guy Ropars, les deux Bretons. Finalement, qu'ont en commun ces trois compositeurs ? Deux choses. D'abord, les trois compositeurs étaient très liés par la nature et leur fascination pour la nature et tous les sons de la nature, et notamment la mer. La deuxième chose, ils étaient aussi tous les trois liés par la peinture. Debussy avec Gauguin, Ropartz et Jean Kras avec le peintre breton Maurice Denis. Et donc ça s'entend aussi dans les couleurs des œuvres. Nous avons passé une bonne soirée en compagnie de l'Orchestre National de Bretagne, ici sur Dinan Agglomération. C'est encore une action pour garder le lien, votre obsession depuis le début de cette crise sanitaire, Marc. Disons que c'est l'obsession de l'orchestre même depuis des années. Et les crises ont simplement accentué la nécessité de rester en contact avec notre public. Et donc, grâce à TVRN, grâce à nos partenaires à Solenval et en Côte d'Armor, mais un peu partout en Bretagne, on peut garder ce lien par la télévision et par l'Internet. Merci en tout cas aux équipes de Dinan Agglomération de nous avoir accueillis, aux équipes de Solenval, à l'Orchestre National de Bretagne et aux équipes techniques de TVR. À très bientôt, Kenavo.